Que Dieu fasse que les gens cela s'éloignent de nous. Qu'Allah les sache de notre pays. Ne soyez pas étonnés, hein, tout ce qui se passe dans notre pays là. Ne soyez pas étonnés parce que nous sommes dirigés par des personnes, des mécréants. Je vous ai dit ça hier. Que Dieu fasse que ces personnes-là sortent de notre pays. Parce que c'est des personnes mécréantes. Ils ne font pas de sacrifices. C'est le mois de Ramadan. Même si ça vient de débuter, on sait que c'est des personnes qui ne sont pas religieuses. Parce que quand tu fais le pacte avec le diable, il y a quelque chose qu'il te met à ne pas faire. Tu fais pas les sacrifices. Tu dois pas être gentil. Tu dois même pas prier correctement quand tu fais le sacrifice avec le pacte avec le diable. Le pacte avec le diable. Excusez, hein, faut nous excuser. C'est le Ramadan, c'est pas facile. C'est très difficile, hein. Surtout aujourd'hui là, mes yeux, ça voit pas bien, mais ça va aller quoi. C'est pour Allah Jawajal, pour effacer nos péchés. Donc qu'Allah fasse ça. Donc cela ne nous empêche pas de booster nos énergies, de parler correctement pour que nous puissions comprendre. Alhamdoulilah, qu'Allah nous facilite. Avant de rentrer d'abord dans le vif du sujet, parce que nous allons parler de quoi? Nous allons parler de Koursa en premier lieu et nous allons finir sur ce qui se passe à Conakry et nous allons nous donner des idées concernant tout ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, avant de commencer de rentrer dans le débat, dans le vif du sujet du jour, nous sommes dans le mois de Ramadan, voilà, et nous sommes des musulmans. Il y a des péchés que les gens font, que beaucoup font sans se rendre compte. Donc, il faut pas te dire que tu es en jeûne et puis tu vas faire le Ramadan, mais tu commets ce péché-là. Ce péché-là, c'est quoi? Surtout les gens qui sont à l'extérieur. Il y a beaucoup de couples qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas mariés. Il y a même pas la cola entre eux. Même s'il y a la cola, en tout cas, le mariage religieux n'est pas entre vous. Vous êtes en train de passer la journée dans la faim, dans la soif, mais vos jeûnes ne sont pas pris en compte. Moi, je vous dis ça clair et net. On a où été dans Torofé. Si vous êtes à l'extérieur, parce que vous vous dites que, vous êtes à l'extérieur, c'est l'homme qui a pris la maison ou c'est la femme qui a pris la maison. Vous êtes ensemble en train de vivre là-bas. Si le mois de Ramadan arrive, qu'est-ce que vous devriez faire? Si je suis l'homme, vous allez manger, gêner, manger ou aller rester en dehors de la maison là. Na bangita, na bangita, wora nyene bangina neki. La maison là, c'est comme une maison satanique quoi. C'est-à-dire c'est la maison où vous péchez, la maison où vous péchez. Donc tu ne peux pas te dire, on ne peut pas se foutre d'Allah jusqu'à ce point. Il faut qu'on se dise cette vérité. Tu ne peux pas vivre avec une femme dans une maison, faire la fornication là-bas, dans cette même maison, et que le mois de Ramadan arrive, et que tu te dis, tu vas gêner dans la même maison là. Allahu Akbar. Qu'est-ce que Dieu va attendre? On pense que voilà, c'est le hasard. Comme on dit que Allah pardonne tout. Non. Allah exauce ou entend ce que tu dis. C'est par rapport à l'endroit déjà. Là où tu es. L'islam, c'est ça. L'endroit là où tu es, ça doit être propre. Ça doit être sain. On ne peut pas s'asseoir dans un endroit où les gens urinent pour prier. Même si vous lavez la maison là, ou vous changez les draps de lit là,
Mais cette maison dans laquelle vous vivez, dans laquelle vous êtes en train de vivre, vous êtes c'est-à-dire, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, c'est le ramadan. Et puis, les gens disent que c'est l'effet de l'Europe, ou c'est l'effet de l'Occident, ou c'est l'effet de quoi? C'est pas facile, hein? Mais c'est un péché à ne pas négliger. Vous êtes en train de passer un mauvais ramadan. C'est-à-dire, ce que je voulais dire là où j'ai stoppé. Dans la même maison où vous avez forniqué. Prenez exemple, le même lit que vous avez utilisé durant des années, durant des mois. Vous êtes en jeûne, vous allez vous coucher dans ce même lit. Il y en a même qui dort avec les mêmes femmes et les mêmes hommes. On dit qu'ils n'ont pas le choix. Pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que vous devriez faire? Même si tu n'as pas de toit, tu n'as pas d'autre maison, mais tu as des amis, tu as des collègues, il n'a fallu des... Ah, moi, je ne vais pas aller chez quelqu'un. Si le mois de Ramadan, tu te trouves en train de vivre avec un homme, il n'y a pas le mariage islamique entre vous, il me souffrirait. Il n'a péché dans ton gofé. Donc, qu'est-ce que tu dois te faire maintenant, là, tout de suite, si tu n'étais pas au courant? Tu dois arrêter de manger que la femme la prépare pour toi, parce que c'est le feu que tu es en train de manger. Tu dois arrêter de manger que la femme prépare pour toi, et tu dois libérer cette maison, aller faire ton ramadan ailleurs, demander pardon à Dieu. C'est un péché que beaucoup négligent. J'ai vécu à l'étranger. Je sais ce que cela veut dire. Moi qui vous parle aujourd'hui, nous sommes tous des pécheurs. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. On a fait beaucoup de conneries. Qu'Allah nous pardonne. Moi, m'a répenti. C'est-à-dire, je n'ai jamais dit ça. M'a répenti. Comment je me suis répenti? C'est-à-dire, j'ai vu, quand j'étais jeune gamin, ma maman, elle m'a pris, elle m'a mis dans Madarasa. J'étais dans Madarasa, dans mon Madarasa, j'étais le responsable là-bas. C'est-à-dire, après le Oustaz, c'est moi le second, c'est moi qui assurais. Mais Wallahi Billahi Talai, tellement que le shaitan est fort, mon Oustaz, l'un des premiers oustaz qui m'enseignait moi, il est devenu un artiste plus. Après, il est devenu un artiste. Par l'effet de l'Europe, je ne vais pas dire son nom. Il est devenu un artiste parce qu'il est parti en Europe, il est devenu chanteur. Wallahi billah. Mais c'est quelqu'un qui connaît le Coran en entier. Maintenant, nous avons fait le madrasa, on a grandi dans ça, presque. Et moi, on a délaissé l'islam. On faisait que du péché. Imagine, tu te retrouves dans un pays où tu cherches de l'argent. Tu n'as pas un autre boulot. Moi, ma repenti, c'est un blanc qui m'a. Un mécréant. Quelqu'un qui n'a pas de religion. Qui m'a donné un conseil et je me suis dit... Un blanc qui ne connaît pas, un blanc qui m'a donné conseil, un blanc. Parce que je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Moi, j'ai vendu de l'alcool. Oui, aujourd'hui, tu te dis, ah, vous êtes en couple, il n'y a pas une autre maison. Tu ne peux pas aller ailleurs. Tu vis avec elle là-bas. C'est comme si on t'envoyait de vendre l'alcool, quoi. J'ai cherché du boulot, j'avais pas de boulot. On m'a trouvé pour un boulot pour vendre de l'alcool. Dans un pays où je suis parti chercher de l'argent. Je me suis dit, ah, c'est pour gagner de l'argent. Alors qu'on sait tous que l'islam dit que vendre l'alcool, c'est interdit, non?
On le sait, non? Donc, l'islam dit que vendre de l'alcool, c'est interdit. Mais, comme j'étais sorti pour chercher de l'argent, j'ai trouvé le boulot pour vendre de l'alcool. Béré, béré. Et puis, les gros alcools. Ben oui, moi, j'ai vendu de l'alcool. Je vous apprends ça. Je suis en gêne. Allah le sait. Et puis, les grosses marques d'alcool. Les grosses marques. Je savais même faire les trucs comme ça, là. Parce que tu fais la formation, on t'apprend à faire ça. J'ai fait ça, moi. Donc, un jour, je vendais, j'étais en train de vendre de l'alcool. Un blanc, il vient, il s'assoit. Il me dit ceci, il me dit de le servir. Il a dit ce qu'il voulait prendre. Je prends, je le sers, tout. Après, le blanc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah, t'es de quel pays? C'est quel pays? C'est quel pays? Afrique, c'est quel pays? Je réponds au blanc, ça, je ne l'ai jamais dit à personne. Hein. Ça, ce que je suis en train de vous dire là, même ma famille ne savait pas que moi, je vendais de l'alcool. Oui, c'est la première fois que je vous l'apprends vous-même. C'est quelque chose que j'ai pas dit à assez de gens. Mais, au bas âge, je connais l'islam. L'islam dit, et on sait tout ce que le prophète a dit, celui qui vend l'alcool, celui qui le transporte, celui qui l'envoie, et celui qui passe l'alcool, celui qui l'achète, celui qui distribue, vous avez tous le même péché. Ça c'était dans ma tête. Mais je me suis retrouvé dans un pays. Je vous explique ça pourquoi. Parce que vous êtes dans les couples aujourd'hui. Vous vous dites que, ah, il n'y a pas un autre. On ne peut pas trouver d'autres maisons. Je ne peux pas aller vivre ailleurs. Il faut juste avoir la foi en Dieu. Il va t'assister. Il va t'assister. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Dieu va nous aider. Et Dieu va nous pardonner. Il va accepter nos repentis. Ça, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Donc, faut pas que je dure sur le sujet là, parce que je voulais juste donner un petit conseil, mais donc le blanc, je l'ai servi. Je vous explique comment, pourquoi j'ai pris la conscience de me repentir. Le blanc, je l'ai servi. Il me demande, il est en train de boire, il me demande c'est quel pays, parce que les blancs, ils sont curieux quand ils voient un Africain en train de travailler dans les coins comme ça. C'est quel pays? Je dis au blanc, c'est Guinée. Il dit Guinée. Je dis Guinée-Conakry. Il dit, ah, Conakry. Je dis oui. Il prend tout son temps. Il finit de boire. Et puis il me demande, musulman ou chrétien? C'est le blanc qui me demande, hein, musulman ou chrétien? Je le réponds, musulman. Il a dit, ah bon, musulman? J'ai dit oui. Qu'est-ce que le blanc me ressort? C'est-à-dire les blancs qu'on voit, nous on pense seulement que le blanc, c'est quelqu'un qui ne connaît rien de nous. Les blancs nous ont étudiés, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que le blanc me dit? Il me dit, ah, mais tu es musulman. Mais l'islam interdit la vente de l'alcool, non? Tu ne dois pas vendre de l'alcool. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, vous êtes de quelle confession religieuse? Le blanc, il me dit, bah, moi, je ne crois pas aux religions, hein, mais je lis les textes. Il dit, c'est un athée, en plus, un blanc athée. C'est un athée. Quelqu'un qui n'a pas de religion, qui a été à la base de ma repentie, moi. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Le blanc me dit quoi? Il dit, mais si ta religion t'interdit de vendre l'alcool, il faut pas la vendre, hein? Il faut croire à ta religion. C'est pas parce que moi, je crois pas aux religions. Je vais pas accepter la décision des autres. Si ta religion t'interdit de vendre l'alcool, il faut t'interdire de vendre l'alcool. Le blanc, il m'a dit ça. J'ai dit, ah bon? Ben oui, tu peux trouver un autre boulot, hein, mais ça, ta religion, ça t'interdit de vendre l'alcool.
Ou bien tu ne peux pas trouver d'autre boulot à part ça. Ça, ça m'a fait, ça a explosé dans ma tête. Boum. Quelqu'un qui n'est pas musulman, qui n'a pas de religion, qui me conseille sur ma religion. Oui, moi j'ai vendu de l'alcool. Et puis les alcools lourds, les vins, les rosés, tout. Je ne veux même pas citer les noms, je suis en ramadan. Mais je connais tous les grosses bérets. Je n'ai jamais bu un jour. Je n'ai jamais bu. Maintenant, le blanc il part. Pouf, ma tête a explosé. Ma tête explose. J'étais plus tranquille. J'ai dit aux gens que je ne me sentais pas bien, je vais rentrer chez moi. C'est le jour-là que j'ai quitté le boulot-là. J'ai décidé de me repentir. J'ai demandé pardon à Allah. Le jour-là, j'ai quitté le boulot-là. Je me suis investi dans la religion. Chaque lundi, chaque jeudi, je jeûnais. Pour que Dieu me pardonne. Donc vous qui êtes aujourd'hui, wona couple qui, woma langri, foteta, yiria, kal fote wan yamara, womuna la Guinée. Vos parents ne sont pas au courant de votre relation, sauf vos amis qui sont là-bas. Si tu vis avec un homme maintenant là, quand j'ai abandonné ce boulot, je me suis repenti. Allah m'a donné plus que le boulot là. Wallah billahi ta'ala. Quand j'ai abandonné le boulot là, je me suis repenti. Allah m'a donné plus que le boulot là. Donc, si tu te dis que tu n'as pas une autre maison où aller vivre, pour vivre avec l'homme là, ou avec la femme là, ou tu n'as pas d'autre nourriture, bête, mouna irena randoma, faut inyenge, ou fouti mouna wotagi, wora sedo, vous êtes en train de gêner dans le vide. Vous êtes en train de gêner dans le vide. Qui te parle de la Guinée ici? Vous êtes en train de gêner dans le vide. Allez-y. Répentons-nous. Parce que tu ne peux pas faire la fornication dans la même maison et gêner dans cette même maison. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'était ça.